Gaston. Morvin. Gaston de Franquin. Bon, dans la vie, pour lutter contre les dangers publics du type de notre ami Gaston, il faut de l'autorité, les enfants. Quelqu'un qui représente l'ordre, voyez, du genre en uniforme, avec képi et tout le bazar. Eh oui, il faut bien ça pour veiller au grain. Normal pour un poulet, t'es un agent de police. Bon, évidemment, Gaston, lui, plutôt que de respecter la volaille, il préfère la faire tourner en bourrique. Allez comprendre. Qu'est-ce qu'il y a encore bricolé ici, celui-là, avec son tas de ferrailles tout déglingué? Mettrai ça là, casse-moi! Mais, ça vous coupe le sifflet, ça, hein, agent Lontarin? C'est le cas de le dire. Bon, vous avez l'habitude d'ouvrir l'œil, vous, hein? Eh bien, faites un effort, ouvrez les deux et admirez. Vous avez devant vous le gars qui a trouvé la solution. Mais que... Ah, ça, pour monter ce poids à la main, faut toute une machinerie là-haut. J'ai bossé toute la nuit. Eh ben moi, à la main, je vais déjà vous en coller une de contravention directe. Crac ! Défendu de stationner ici. Non mais... Mais je ne stationne pas. Ah oui. Sur le sol, oui. Mais en l'air, ah non non. C'est pareil. Ah mais pas du tout. J'allais pas me prendre mes pognons. Et là, c'est quoi? Pas question, ça vaut pas. Alors là, c'est ce qu'on va voir. Direction le commissariat, zou. Pas de problème, au commissariat. Ah mais oui, mais on va voir ça. J'ai tout vu. Quoi? Vous me demandez quelle est la hauteur d'un stationnement interdit, Lontarin? Vous vous sentez bien, Lontarin? Oui, et c'est jusqu'où que ça va-t-il vers le haut, un stationnement? Petit. Où est-il? Où est-il? Le gars idéal pour tester cette nouvelle blague. Voyons, c'est son quartier. Le voilà. Je vais me poster discreto sur son chemin. Approche, chafouin comme je te connais. Oui, mais tant, je n'aime pas beaucoup que vous manipuliez sur la voie publique des instruments qui, entre vos mains, ne demandent qu'à devenir contondants. Faut un port d'armes pour jouer au bilboquet, maintenant? Vous n'aimez pas les jeux d'adresse? Trop difficile, c'est ça? Difficile pour un civil? Nous, dans la police, nous sommes rompus à tous les sports. Ah, mais oui, mais pour le bilboquet, faut être doué. C'est ce qu'on va voir. Ça marche. Mieux vaut se prendre un peu de recul. Mais la bonne idée de remplacer la ficelle par un super élastique. Là, les copains! Ils sont partis par là. L'un d'eux est déguisé en agent de police. Enfin! Comment ça, quoi? Comment ça, où? Ça, là! Oui, ça! C'est quoi? Une sucette géante ou un panneau de sens interdit? Désolé, ce panneau-là, moi, je connais pas. L'avez bien regardé, votre panneau? Non! Encore? Oh non! C'est un cauchemar! Ok, je vois, ok. Grand concert, venez nombreux. Ça, Gaston, bien joué. C'est sûr que c'est la première fois qu'on pense à utiliser ces trucs. Tu vois, Jules, sur d'aussi bons emplacements, impossible de la rater, notre pub. Non! Tiens, Lontarin, bizarre, j'ai comme une oreille qui siffle.
à moins qu'il n'y ait une bouilloire en rut dans le coin. Non, ce n'était pas vous, non. Si, 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 c'était bien moi qui sifflais. D'admiration. Quel superbe bidule. C'est quoi, hein? Ah, ça, je rôde le prototype de la voiture d'été de demain. Moteur électrique silencieux, non polluant, boîte à une vitesse, le tout baptisé promenade. Et tout ça rigoureusement réglementaire, je suppose? Oui, bien sûr. Fini de jouer au bolide. On prend son temps. Calme et confort, moelleux. Un embouteillage? Bof, un petit somme. Eh ben, il va pouvoir dormir sur ses deux oreilles pendant que je jette un œil. Pour moi, vous pouvez tout jeter. Le triangle et la trousse de secours sont dans le coffre. Éclairage de la plaque arrière. Chef, oui, chef. Croyez-moi, faut décrisper l'automobile, Lantarin. Exploser les clichés. Je me tue à vous le dire. Ce véhicule... Ce véhicule? Ce véhicule a été homologué. Oui, circuler. Vite, pas un parking ici. Et je prépare un modèle pour l'hiver. Conduite intérieure à partir d'un lit breton. Vous savez, les lits clos. C'est ça. Ah, Zeljan, une surprise. Voici ma nouvelle voiture d'été. Oh, c'est un rêve, monsieur Gaston. Je vous reconduis. Je ne sais pas si je dois accepter, monsieur Gaston. Ah, Franquin, c'est réglé comme du papier à musique. Aucune fausse note. Mmh.